Oh, il a beaucoup plus de plus. Et cette semaine, peut-être t'es libre, je sais pas. Ouais. C'est 41, c'est... Ouais, 41. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, concept un peu spécial. Et le concept, c'est ça. C'est d'aborder des filles quand on est dans une voiture. On va rôder dans la ville, quand on voit une fille jolie, on va s'arrêter, on va stopper la circulation, s'il faut. Et on va essayer de choper un numéro le plus rapidement possible. Sauf que cette vidéo-là, c'est pas moi qui va aborder. Ça sera Tony. Et moi, je serai le conducteur. N'oubliez pas de like, partager, commenter, abonne-toi avec la cloche. Tu sais que c'est important. Tu sais que c'est important. Tu connais le rituel. Tu connais le rituel. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, ciao. Ciao. Salut. Salut. Excusez-moi, tu m'as enlevé, ça va? Je vais m'enlever, ça te passe. Est-ce que tu es sur le numéro? Non? C'est sûr? Okay. C'est bien. Ouais, continue. Il y a un peu derrière des plantes. Vas-y. Vas-y. Vas-y, Sam. Excuse-moi, je suis désolé de te déranger, en fait j'étais avec des amis là. Et ça va, tu t'appelles comment? Ouais, ça va. Et toi? Oh, Tony? Ouais. Tu fais quoi de beau? Je vais voir mon arrière-grand-mère là. Ok. Enfin, d'abord, je vais voir du monde au bastion. Ok, il fait beau hein? Ouais, il fait beau ouais. Ouais, franchement c'est cool. Tu t'appelles... comment de nouveau? Tu m'as dit? Enchanté Tony. Enchanté. Et ça c'est pas courant les cheveux roses. Ouais, c'est sûr. Non, t'as combien de tatouages en fait? Là. Ok, bah, le bois il est pas mal. Et je veux dire, du coup, t'as rien à numéro de téléphone? Non. C'est plus non. En plus, ça m'a l'air super. Non, mais c'est sympa, mais. Okay. Non. Ok, bah c'est pas grave, c'est. Bah, c'est gentil, merci. Mais... Okay. Bon, bah, merci. Bonne journée, tchao. Salut. Vas-y, attends. Sam, vas-y, Sam. Faites quoi de beau? Bah là on va à l'école, du coup on est un poil pressé. Ouais. Ok, bah je vais pas te déranger plus. Je voulais savoir, t'as Instagram par hasard? J'ai Instagram mais j'ai vraiment un copain. Ouais? Je suis vraiment désolée. Non, t'as pas été désolée, c'est... t'inquiète, ça va. Tu peux te déranger, ça va? J'étais avec des amis, j'étais en voiture d'ailleurs, c'est parqué là-bas. Ouais. Et je suis pas mignonne. Merci. Excuse, t'es... Ouais, c'est pas grave. Bien en France? Ouais. Et tu t'appelles comment en fait? Tony. Et je me demandais, ça t'intéresse quand c'est sur nos coordonnées? Je suis désolée, mais j'ai déjà quelqu'un. Ouais? Et si t'avais pas quelqu'un? Waouh! Les gars, vous pouvez pas dire ça. Si vous voulez entretenir la conversation avec une personne, ou vouloir son numéro à tout prix, vous pouvez pas dire, si t'avais pas de copain, est-ce que tu me plairais, tu vois? Ça marche pas comme ça, les gars. Vous devez juste switch de sujet, essayer de passer le plus de temps avec elle, et après, à la fin de cette interaction avec cette fille-là, vous pouvez redemander encore le numéro de téléphone. Mais encore, c'est même pas sûr que vous l'ayez. Même si vous passez un bon temps avec elle. Mais je peux pas te permettre de dire ouais, si toi, si t'avais pas de copain, est-ce que je te plairais? Ça marche pas comme ça, les gars. Vous êtes des ouf. Peut-être. On sait jamais. Mais là, c'est bon. Ok, c'est pas grave. Moi, je le prends bien, je le sourire. Désolé. Bon, hein. Ça se voit, en tout cas, t'es super mignon. En plus, j'ai ma fille et tout. Donc, ah ouais? Bah, ouais. C'est bien, félicitations. Allô? Les gars, comme vous voyez, il fait des signes pour que la meuf s'arrête. Faites jamais ça. Déjà, pour qu'une fille ait votre attention, il faut que vous l'arrêtiez, ok? Donc, dès le moment où elle s'arrête, là, vous avez son attention. Là, ce qu'il a fait, il s'est mis à côté, ok? Il y a des voitures entre la meuf et lui faisait des signes comme ça. C'est normal que la meuf, elle réagisse pas. Même que la meuf, je pense, elle a peut-être dû faire la go, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que ce qu'il a fait, c'est faux. Ce que tu dois faire, c'est simple, c'est que tu vas devant elle, déjà, tu l'interromps, ok? Dans le sens, genre, là, j'ai vu le chemin a été serré. Mais ce que tu fais, tu vas comme ça, tu contournes la voiture, tu prends l'espace, t'as entre 4 mètres de différence entre la fille et toi, t'es devant elle, et là,
elle te voit face à face, donc là elle va sentir obligée de s'arrêter. Et là après t'as ton intention, parce que dès qu'elle s'arrête, t'as ton intention. Alors après tu commences à parler, tu vois. Mais en fait il faut pas que tu te mettes sur le côté, c'est la pire chose à faire. Ne faites jamais ça les gars, vraiment. D'aborder sur le côté, il y a une voiture qui sépare la fille et la personne. Et il essaye de faire des trucs comme ça. Grosse dinguerie, j'ai vu ça, j'ai rigolé. Oh, je vais essayer juste celle là-bas, en blanc. Non, ne bouge pas de là. Non, non, il y en a une autre là-bas en blanc et blanc. Je suis de retour en fait, j'étais en voiture avec des places. Et je t'ai vu, d'ailleurs j'ai couru de là-bas, pour te voir. Je suis un peu mort. Tu t'appelles comment? Ouais, du coup mon pote il s'est parqué là-bas. Ouais. Et il me demandait si bah, du coup j'ai couru très bien pour faire ta connaissance. Et pour savoir si ça t'intéresse ou si tu veux me voir. Là, je vais m'en étudier à Calais avec mon père. Tu pars partout. Je pars un jour en entreprise et tu me rappelles comme ça. On peut s'échanger tout de suite. Moi, c'est pas grave. Et du coup, tu restes. Bah, en vrai, j'habite ici. Je vais revenir de temps en temps. Tu vois, mais okay. Là, je vais aller étudier là-bas. Donc, tu pars bientôt du coup. Ouais, c'est nickel. Et cette semaine, peut-être t'es libre ou je sais pas. Ouais. Du coup, t'as WhatsApp? Ouais. Ok, je suis encore mort. C'est 41, c'est un. Ouais, 41. Et tu vas étudier quoi? En art. En art? Ouais. Ça va, ça te plaît? Ouais, je m'en réjouis. Et du coup, t'habites ici? J'habite. Là, du coup, t'as grandi ici quoi? Ouais. Et là, tu pars? Ouais, je suis d'ici, je vais juste partir une année et puis après, okay. Je reviens quoi. Mais. Et ouais, là, je suis un peu sur le départ et tout. Et du coup, ouais, je suis en train de rien prévoir tout ici. Excuse-moi, mon téléphone il est en même temps en plus. Et ouais, bah du coup, on s'est tenu ici, ouais. Et ouais, bah c'est tout. Tu m'écris, moi j'ai rien, j'ai pas. Ouais, je t'écris. Je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, ouais. Oh, il a bloqué le bus, là. Là? Oh! Oh! God damn, man! Allez, absenti, gars! Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous avez vu la dernière scène, il a chopé un numéro. Moi j'étais grave content pour lui, il a réussi à décoincer l'atmosphère, détendre l'atmosphère. Dès le début, tu vois, il est arrivé, il a fait ouais écoute, j'étais avec des potes, hein, j'ai couru, je suis morte. Hein. Et vraiment, tu sais, avec son corps, il a montré qu'il était serein, tu vois, genre, il avait comme ça, il s'est baissé comme quoi, genre, vas-y, il était mort. Et la meuf, elle a rigolé, donc direct, ça a détendu l'atmosphère. Et puis, bah, il a réussi à choper le numéro. Je vais vous dire un conseil, ne vous prenez pas au sérieux. Si vous prenez au sérieux, vous êtes mort, les gars. Parce que là, on a vu des filles, elles sont pas trop royales. Qui soit le gars le plus beau au monde, si la meuf elle est en couple et elle est une love de son gars, la meuf elle va s'en battre. Vraiment, elle va s'en foutre de toi, c'est sûr. Je vous le dis comme ça, tu vois. Il y a des gars qui arrivent et quand il y a une meuf qui dit ouais, je suis pas intéressé, tout comme ça, ils se sentent vexés et ils commencent à insulter la fille. Les gars, vraiment, quand vous allez voir des filles, pensez c'est un jeu. C'est vraiment, pensez comme si c'était un jeu. Là, les filles vont me dire ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, les gars, dans vos têtes, dites-vous c'est un jeu. Comme ça, genre si la meuf elle vous recale, c'est pas grave. Il y en a une de perdue, un milliard de retrouvée, les gars. Il y a trop de filles sur Terre. Ce que je veux faire comprendre, c'est que si vous faites recal par une personne, c'est pas grave. Il y en aura une à 15 mètres, 20 mètres qui sera encore plus jolie. Et peut-être que ça matchera beaucoup plus avec elle qu'avec la précédente, tu vois. Donc vraiment, prenez-vous pas au sérieux. Après, il y a d'autres conseils, mais je vais pas tout vous donner non plus, tu vois. Mais t'as capté. Le conseil d'aujourd'hui, c'est prenez-vous pas au sérieux. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de like, partager, commenter, abonne-toi avec la cloche. De toute façon, tu sais que c'est important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi 18h. Allez, prenez soin de vous. Ciao.